Сегодня мы решили поговорить все-таки по-французски и по-русски, а не по-английски, учитывая, что это родной язык той социологии, которую развивал Люк, и на которой получаются такие выводы, которые иногда не получаются на английском. И сегодня мы решили устроить дебат по поводу книжки «De la critique», о критике. Она переведена, называется «On critique». Переведена тоже в Polity Press. Если вы читаете по-французски, читайте ее по-французски. Если вы читаете по-английски, читайте ее по-английски. Люк, il va parler pour 45 minutes, je pense. Он будет говорить 45 минут. А потом я попросил двух наших коллег, Артемия Мугуна и Виктора Капуна, помочь мне с обсуждением того, что Люк сейчас изучит по поводу критики. Je demandé que Artemie et Victor nous assistent en discussion avec toi. Après, quand tu vas finir, et bien... Et toi, Oleg? Oui, oui, bien sûr. Mais je suis moi plus que modérateur. Вот. И в любом случае, сегодня, поэтому я не буду повторять долгие витиеватые представления Люка. Те, кто из вас дошли до первой и второй лекции, которые слышали, третий раз это будет, возможно, уже много. Те, кто не дошли, посмотрят это на интернете или спросят его самого по окончании лекции. Вот. Всех вас приятно видеть в этот дождливый день. Нам повезло с погодой, так что у вас нет соблазна уйти в другом направлении. Надеюсь, что цветение мысли вернет вам солнечное ощущение. Хорошо. Ладно. Спасибо, Люк. Merci beaucoup. Oui, merci d'être là. Et merci de me laisser parler français plutôt que mon horrible anglais, comme dans les deux précédentes interventions que j'ai faites ici. Et je voudrais remercier d'abord Oleg Kharkhordin, l'Université européenne de Saint-Pétersbourg, et Olga Marskevich, qui a tellement fait pour tellement de emails et rempli de papiers pour que ce séjour soit possible, et aussi, bien sûr, l'Institut français à Saint-Pétersbourg. Alors, ça ne sera pas vraiment une supposée conférence, comme les deux autres fois, puisque ça doit être une conversation. Et je vais parler d'un livre qui a été publié il y a maintenant presque 10 ans, et sur lequel j'aimerais beaucoup reprendre le travail, mais qui me pose des problèmes, notamment j'indiquerai à la fin quelques problèmes que ça me pose. Et au fond, je suis ravi de soumettre les schèmes principaux de ce livre à des collègues ici à Saint-Pétersbourg pour me critiquer et m'aider à améliorer le schème. Quand j'ai écrit de la critique, mon souci principal était le suivant. C'est qu'il y avait dans le petit monde à Paris, où je suis, il y avait quelque chose qui se disait, qui était que la sociologie pragmatique de la critique, la sociologie des opérations critiques, que nous faisions depuis 30 ans, 25 ans, quand ce livre a été écrit, supprimait la possibilité de la critique et qu'on arrivait à la fin de la critique. Et ça ne me semblait pas juste, et je voulais montrer que les capacités critiques étaient des capacités universelles existant dans toutes les sociétés, et qu'il n'y avait pas de raison que les sociologues soient les seuls êtres humains que l'on prive de la possibilité de la critique. Et donc, c'est une raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, qui est un livre théorique. C'est pratiquement la seule fois que j'ai écrit un livre théorique. D'habitude, j'écrivais toujours à propos d'objets concrets, comme vous l'avez vu avec les deux autres que j'ai fait ici. Alors,
Et le livre lui-même, tel qu'il se présente, a été en fait mis en forme à l'occasion des conférences à Adorno que Axel Honneth m'avait proposé de faire à Francfort, d'où sans doute peut-être un esprit un peu francfortois dans la rédaction du livre. Alors, je vais d'abord dire un mot très rapidement. Voilà. Dire un mot très rapidement du genre de sociologie que je et nous, parce qu'on je pense que c'est assez proche de ce que fait Latour et de ce que fait Laurent Thévenot, pratiquons. C'est une sociologie antinaturaliste qui donc se distingue nettement et antipositiviste, se distingue nettement du positivisme, par exemple, que l'on trouve encore dans beaucoup de sociologies de la fin du XIXe siècle, et notamment chez Durkheim, et qui prend comme position de base que normalement il ne devrait pas y avoir de société, que normalement avec les êtres, que les êtres humains. J'ai pris pour lire dans l'avion ce petit livre d'Anna Arendt qu'on vient de publier. Et en lisant, je suis tombé sur une phrase qui dit tout à fait ce que je pense. Je vous la lis. La différence absolue de tous les hommes, les uns par rapport aux autres, est plus grande que la différence relative des peuples, des nations ou des races. Donc c'est à propos de la question de la pluralité. Et donc, ma position de départ, c'est de se donner des êtres qui n'ont pas de raison, c'est une position proche de Hobbes par certains côtés, qui n'ont pas de raison de communiquer, qui n'ont pas de raison de s'entendre. À cela, j'ajoute, après une relecture de Totalité et Infini de Lévinas, toute la première partie sur le secret qui est magnifique, que chaque personne est un secret pour les autres, ou enferme un secret, et par conséquent est un danger pour les autres, et que, du même coup, le mystère de la sociologie, c'est comment des agencements fragiles, qui s'effondrent régulièrement, qui s'effondrent dans la dispute, qui s'effondrent dans le crime, puissent se faire ce qu'on appelle des groupes ou des sociétés. Et que du même coup, le travail de la sociologie, c'est un travail de second rang, c'est une épistémologie dans la mesure où ceux qui ont la capacité à produire des dispositifs, pour reprendre le terme foucauldien, ou des artefacts permettant de faire quelque chose comme des groupes, ont cette science du social. Les sociologues ayant comme objet d'étudier, de modéliser, de formaliser et de rendre explicite cette science implicite du social, d'où l'analogie entre la sociologie et le premier Chomsky, où ce sont les acteurs qui ont la compétence linguistique et où le linguiste ne fait que modéliser cette compétence avec comme test l'acceptabilité. Et donc, cette situation crée une grande incertitude qui est au cœur de la critique et une incertitude qui est d'abord une incertitude sur, je l'ai appelé the what is it of what is, en français, ce qu'il en est de ce qui est. Une incertitude au sujet de comment on qualifie les objets, comment on qualifie les situations, comment on qualifie les personnes. Du même coup,
Donc, du même coup, mon intérêt pour les institutions est un intérêt pour le rôle qu'elles vont jouer dans ce travail de réduction de l'incertitude et de qualification des objets du monde. Alors, là, j'ai un petit bout pour... Je pourrais rajouter dans l'introduction une petite chose. Il y a rien dans le livre sur la question de savoir pourquoi les personnes font des groupes alors que ça leur est si difficile. J'ai des petites idées là-dessus, mais on y reviendra après. Quand le livre est paru, il a été critiqué fortement par mes collègues les plus proches, qui m'ont accusé notamment d'être hobbesien. Et c'est vrai qu'il y a une dimension hobbesienne dans le groupe. D'ailleurs, dans Léviathan, au début de Léviathan, Hobbes fait un long passage sur la tour de Babel, sur l'incompréhension. Et de pratiquer de partir d'une anthropologie pessimiste, alors que le travail que l'on faisait dans mon laboratoire autour de moi était plutôt crédité d'une anthropologie optimiste, puisqu'on avait écrit sur l'amour, on avait écrit sur la justice, etc. Alors, je pense que cette opposition est avant tout une opposition idéologique et politique, mais ça faisait travailler cette opposition, au fond, était implicite à ce que je voulais travailler dans le livre, d'un point de vue politique, parce que il y a dans le livre un effort qui n'est pas du tout explicite, un effort pour retravailler la question libertaire, mais en la rendant plus réaliste et moins catastrophique, si je puis dire. Parce que, et en partant de l'idée qu'une des caractéristiques, au fond, de la pensée anarchiste ou de la pensée libertaire, et qu'elle, contrairement à la plupart des philosophies politiques occidentales qui viennent de Hobbes, et qui partent quand même d'une anthropologie de Hobbes, oui, mais sous beaucoup de Hobbes, de l'anthropologie pessimiste, ce qui caractérise la pensée libertaire est qu'elle se donne une anthropologie optimiste, pour dire vite. Si vous supprimez l'État, si vous supprimez le capitalisme, vous aurez une émergence, une auto-émergence d'un ordre qui va se tenir, ou d'un vivre ensemble qui va être... Et donc, c'était une de mes préoccupations, c'était de garder quelque chose de cette possibilité anti-totalitaire ou anti-dirigiste sans tomber dans l'illusion optimiste et, à mon avis, irréaliste de la pensée libertaire. Alors, donc il y a ce postulat d'incertitude qui est tout à fait au centre du livre. Et puis, il y a un autre point qui est au centre du livre, qui est l'opposition que j'ai repris dans Énigme et complot, c'est la base de Énigme et complot, la base théorique, entre réalité et monde. Qu'est-ce que j'appelle réalité ? J'appelle réalité ce que les sociologues depuis maintenant les années 60 appellent construction sociale de la réalité. J'appelle réalité un ensemble de formats, d'épreuves, de métriques, de droits, d'habitudes, de rapports d'autorité qui font que les choses se tiennent. C'était une expression de mon ami Alain Desrosières, qui a disparu il y a quelques années et qui nous manque beaucoup, qui était un grand statisticien, historien de la statistique et sociologue, qui disait toujours, oui, le rôle des statistiques, c'est de faire que le monde se tienne, que les choses
sont en rapport les uns avec les autres, qu'elles ne soient pas incohérentes. Et donc la réalité se tient. Et on peut, si on est historien, essayer de totaliser la réalité. On peut, par exemple, faire un tableau de la réalité sous le règne de Charles X, par exemple. Et bien évidemment, chacun d'entre nous vit dans la réalité, accepte la réalité comme elle est, plus ou moins, parfois, le plus souvent, pas toujours, et ne pourrait pas vivre ou serait considéré comme malade mental s'il refusait complètement la réalité. Ce problème de la maladie mentale, je l'ai travaillé dans une recherche précédente, en partie reprise dans Énigme et complot, sur la question de la paranoïa, qui me semble une question centrale pour la sociologie et la compréhension des agencements sociaux, et on peut en parler dans la discussion. Et ce que j'appelle monde, c'est, j'ai repris une expression à Wittgenstein, c'est tout ce qui arrive, et sans doute tout ce qui pourrait arriver. Ça n'est pas un inconscient, ça n'est pas quelque chose qui est étranger à l'expérience. Une idée principale du livre est que nos expériences, certaines de nos expériences sont ancrées dans le monde. J'ai l'expérience que si je ne paye pas mon billet d'autobus, je vais avoir une amende. Ça, c'est dans la réalité. Mais nous avons énormément d'expériences qui sont ancrées dans le monde, que nous ressentons, mais pour lesquelles nous n'avons pas de modalité d'expression et que nous ne parvenons pas à mettre en contact avec la réalité. Pour vous donner une blague, si je puis dire, je racontais un jour ça devant un auditoire composé des jésuites. Des jésuites d'extrême gauche, ça existe, et intellectuels, et de haut niveau intellectuel. Il y en avait un qui est un économiste important, etc. C'est un petit groupe qui est dans une banlieue de Paris. Et il y en a un qui me dit, mais et le Saint-Esprit ? Alors je dis, moi je peux le mettre dans le monde, si ça vous fait plaisir. Pour moi, ce n'est pas un problème. Je ne peux pas totaliser le monde. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le monde. Mais je peux écouter les expériences des personnes qui s'enracinent dans autre chose que dans la réalité telle qu'elle est construite. Alors, et donc, si vous voulez, cette partition entre la réalité et le monde, à mon avis, une des fonctions que je lui accordais était de dissoudre certains des problèmes liés à la construction sociale de la réalité. Mais ça, on pourrait revenir là aussi dans la discussion. Par exemple, s'il y a une construction sociale de la réalité, si elle est complète, où est-ce que je peux me mettre pour mettre en cause cette construction sociale de la réalité ? Ou s'il y a une construction sociale de la réalité qui correspond à certains intérêts, suit toujours une autre construction sociale de la réalité. Bon, c'est pas très 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 satisfaisant. Et alors, pour revenir à la question. Alors, comment viennent les institutions dans ce schéma ? Les institutions, au fond, dans la sociologie critique, en général, les institutions sont présentes, mais sont méchantes. Elles sont essentiellement des formes de violence symbolique chez Bourdieu, mais je pense que c'est assez proche
au moins dans la première école de Francfort. Et dans la sociologie pragmatique de la critique, qui largement était une micro-sociologie, ce qui à mon avis est un de ses problèmes, un de ses défauts, les institutions étaient pratiquement absentes. Là, dans De la critique, je reprends largement les institutions en m'inspirant pas mal du livre de Searle qui s'appelle « La construction de la réalité »« The construction of social reality » et je pose la question par rapport à l'incertitude. Qui peut réduire l'incertitude? À qui peut revenir le travail de réduction de cette incertitude fondamentale? Parce que si cette incertitude augmente, elle conduit à des disputes qui vont entraîner une sorte de dissolution du lien social. À mes étudiants à Paris, je donnais cet exemple. On est à la campagne, autour d'un petit étang, et puis il y a des enfants qui jouent avec des objets en plastique, des petits canards, et puis plus loin, il y a un pêcheur à la mouche. C'est assez dangereux, la pêche à la mouche, parce qu'on lance. C'est vers 6 heures du soir, lors du bon coup, qui essaie de pêcher. Et puis, il y a des paysans qui, comme il n'y a pas de policiers, jettent du fumier dans l'eau. Et puis, il y a un écologiste qui fait des prélèvements un peu plus loin. Et s'il y a une dispute, on peut poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, cet endroit? C'est un parc pour les enfants? C'est un parcours de pêche? Ou c'est un lieu d'expérimentation écologique sur la pollution des rivières? Et bien évidemment, mon argument, c'est que personne ne peut répondre à des questions de ce genre. Personne ne peut empêcher la dispute de se poursuivre. Alors j'ai deux, avant de venir à l'institution, j'ai deux possibilités. Une possibilité n'existe pas ou n'existe plus dans nos sociétés. C'est celle de s'en aller. J'ai beaucoup parlé avec une collègue qui était dans mon laboratoire, qui s'appelle Catherine Alès, et qui avait vécu, anthropologue, une dizaine d'années chez les Yanomami, dans le sud du Venezuela, qui est une société sans État, tout à fait le genre de société qu'a étudié Clast, etc. Il y a un peu des personnes d'autorité, mais disons, qui quand elles ne donnent jamais un ordre, vraiment, mais posent des questions. Et si on allait au jardin demain, ça serait une bonne idée, parce qu'elles n'ont pas une autorité suffisante pour réellement donner des ordres. Et ce sont des sociétés d'abondance, comme se reprend les termes de Marshall Salins. Il y a j'en parlais avec Descola, il me disait oui, il y a plein à manger, c'est très bon, puis on pensait que c'est dégueulasse, mais bon, ça c'est des anthropologues. Il y a plein de choses, il y a des jardins, il y a du gibier, il y a... Et donc les hommes et les femmes ont des occupations, je dirais essentiellement, ils font de la théologie, de la métaphysique. Ils se séduisent les uns les autres et ils se disputent avec ces fameux combats avec les masses qu'on s'en va sur la tête. Et quand les disputes deviennent trop fortes, ils s'en vont. Comme il y a beaucoup d'espace, une famille ou une grande famille ou un clan part plus loin. Mais nous n'avons pas cette possibilité. Donc, je réintroduis la pratique,
au sens de l'esquisse d'une théorie de la pratique de Bourdieu, mais en le réinterprétant dans le style de la sociologie pragmatique, et d'ailleurs avec beaucoup d'affinité entre ce que décrit Bourdieu et par exemple des choses qu'on va trouver chez Goffman ou chez Sicurel, etc. Et je dis que la pratique est un moyen d'éviter la dispute, de prévenir la dispute, parce que la dispute peut sans arrêt être arrêtée rapidement à travers des petits mouvements, à travers des petits signes. Là encore, dans mes exemples faciles pour les étudiants, je prends l'exemple d'un groupe d'étudiants et de professeurs, on a retiré les hiérarchies, on fait la vaisselle après une fête ensemble, un dîner. Et évidemment, tout le monde est censé faire quelque chose, puisque c'est égalitaire, mais il y en a deux ou trois qui font d'habitude des femmes, qui sont mises devant l'évier et qui font la vaisselle, et les autres ne font rien. Si cette inégalité, cette injustice se tend, il y aura aussitôt des plaisanteries, des petits jeux de scène, des gestes, des accouchements, de façon à éliminer la possibilité de la dispute, sans passer par un langage qui nommerait les causes de la dispute. Et donc, la relation qui est centrale dans le livre entre les formes symboliques et les états de choses n'est pas adressée, n'est pas pointée. Mais mon argument, c'est que cette possibilité existe dans le face-à-face. C'est une possibilité pour la microsociologie, mais que dès qu'un grand problème est la distance, dès qu'on s'éloigne, eh bien, cette façon de gérer la dispute devient presque impossible, disparaît, parce qu'il faut envoyer des consignes, parce qu'il faut transformer les choses en mots, etc. Et à ce moment-là, il y a passage à d'autres registres que j'appelle des registres métapragmatiques, qui vont être des formes de réflexivité. Et des formes de réflexivité tout à fait différentes, donc qui ne vont pas rester simplement dans l'arrangement pratique, rapide, comme ça, sur place. Et donc, j'en travaille... j'en travaille deux. J'oppose deux régimes métapragmatiques. Un que j'appelle la confirmation et l'autre que j'appelle la critique. La confirmation est largement le travail, à mon avis, des institutions. Qu'est-ce que fait la confirmation ? Elle dit ce qui est. Elle ressemble beaucoup, souvent, le travail de confirmation a beaucoup de points communs avec ce qu'Aristote appelait le discours épidictique, qui est assez étrange, puisqu'il consiste à dire en public ce sur quoi on est d'accord, on est supposé être d'accord, et ce que l'on sait. Par exemple, si je dis Emmanuel Macron est président de la République française, tout le monde le sait, mais on le dit en public et ça confirme. Et la vie sociale est sans arrêt pleine d'opérations, de confirmations de ce type. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit des institutions qui fassent ça. Je reviendrai aux critiques après. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit des institutions? Mon argument est assez simple, c'est le suivant. C'est que aucun être humain
n'a l'autorité à lui tout seul, ni même le pouvoir, tant qu'en argument au bien, au fond, pour dire aux autres ce qu'il en est de ce qui est pour tous. Aucun individu, aucune personne n'a le pouvoir de dire cet étang, c'est un parcours de pêche, de façon à ce que ça arrête la dispute. Non. Et de dire cet étang, il est réservé aux enfants. Non. Et pourquoi? Parce que les individus ont un corps. Et qu'ayant un corps, ils sont situés. Moi, je vois cette caméra qui est là-bas. Je suppose que cette caméra me voit. On a une vision de l'espace qui est tout à fait différente. S'il y a des psychanalystes dans la pièce, et je sais qu'il y en a une, parce que c'est mon épouse, nous avons tous une libido qui est différente et des pulsions différentes. Un sociologue dirait que nous sommes ancrés dans des espaces sociaux différents. Nous avons, bon Dieu dirait qu'on a des habitus différents. Bon, je ne suis pas très un fanat de l'habitus, mais acceptons ça. Et donc, l'argument, c'est que cette tâche consistant à dire ce qu'il en est de ce qui est pour tous, et que personne ne peut faire, est laissée à un être dont la particularité est d'être un être sans corps, et que l'institution est un être sans corps. Et donc, on avait une grande anxiété, on avait peur que notre assemblée, notre communauté s'effondre dans une lutte de tous contre tous à la Hobbes, où se cherche un bouc émissaire comme chez René Girard. Eh bien voilà, on est sauvé. L'anxiété est apaisée parce qu'on a cet être qui est l'institution, qui nous dit ce qu'il en est de ce qui est. Mais, second problème, comme l'institution n'a pas de corps, elle ne peut rien faire, évidemment. Elle ne peut rien faire d'elle-même. Elle ne peut agir dans ce monde des humains que nous sommes avec des choses qui est un monde de corps. Elle ne peut le faire que si on la dote d'un porte-parole. Et cette question des porte-paroles est tout à fait, évidemment, centrale. Le porte-parole est celui qui fait parler l'institution et du même coup, on pourrait dire, qui institue la politique. Il fait parler l'institution dans l'ordre politique. Pour bien faire voir qu'il parle au nom de l'institution, on lui met souvent des beaux chapeaux, comme Napoléon, on lui met des jolies cravates, comme à Macron, on lui met une voix particulière, comme au prêtre, qui parle comme ça, pour bien distinguer l'individu ordinaire et l'être de l'institution. Mais, malheureusement, cette situation fait générer une seconde anxiété. La première anxiété sur ce qu'il en est de ce qui est, elle a été apaisée. Mais la seconde anxiété est, mais est-ce que c'est vraiment l'institution qui parle par sa bouche ou est-ce que ça n'est pas quand il a dit, il faut laisser cet étang pour les enfants. Mais en fait, les enfants qui jouaient là, c'était les enfants de sa petite amie qui est cachée au fond du village. Et donc, c'est pas du tout pour le bien de la communauté qu'il a dit ça. C'est pour être bien vu par sa petite amie. Et donc, une seconde anxiété qui est permanente dans la vie des communautés se met en place, qui, évidemment, est très importante pour les complots, ce qui est la base de la croyance dans les complots, qui est le porte-parole, et c'est le double corps du roi, bien évidemment, sous apparence d'être la parole de l'institution, ne fait en fait que défendre ses intérêts et ses passions et sa libido particulière. Alors,
Une des choses qui m'intéressait, d'où une ambivalence extrêmement forte à l'égard des institutions. On ne peut pas se passer des institutions parce que elles amènent une sécurité, j'appelle ça même une sécurité sémantique, par des définitions. Mais j'avais beaucoup travaillé un livre passionnant sur la définition qui partait beaucoup du sport, ou pour les arbitres au sport, la question des définitions, il faut qu'une chandelle, que la définition de la chandelle au football soit la même pour tout le monde. Sinon, vous allez avoir des disputes énormes. Et donc, c'est une question sémantique. Et une grande partie de l'architecture du livre de la critique est liée à la question de la relation entre sémantique et pragmatique. La pragmatique prenant en compte la question du contexte d'interprétation et la sémantique prenant en compte la question de la définition, avec comme idée centrale que le travail des institutions et de l'État d'ailleurs, comme institution des institutions, c'est de mettre en place et de défendre des définitions, et comme vous le savez, la définition est une éventualité qui ne se réalise jamais, parce qu'il n'est jamais possible de donner à la définition de la faire suivre de tous les exemples de son fonctionnement. Donc vous avez toujours une ouverture et une perte dans le cas de la définition. Et donc, mon autre régime n'est pas pragmatique, c'est la critique. Et une des opérations que j'essayais de mener dans le livre était de générer la critique à partir des institutions, d'avoir une seule genèse, des genèses évidemment pas matérielles, des genèses théoriques, une seule genèse pour les institutions et pour la critique, et de considérer que institutions et critique sont deux possibilités universelles, pratiquement nécessaires pour faire tenir tant soit peu la réalité, mais formant deux régimes métapragmatiques complètement différents. Et évidemment, l'idée, c'est que la critique, elle naît de ses soupçons à l'égard des institutions, et elle cherche ce qu'il en est de ce qu'il en est vraiment sous la parole de l'institution. Et donc pour revenir aux institutions, elles ont un bon côté, c'est qu'elles offrent une sécurité sémantique, notamment à travers le droit. Quand on parle des droits de l'homme, c'est des effets sémantiques institutionnels. Quand on parle des droits, de l'état de droit, c'est des effets sémantiques institutionnels. Mais qu'en même temps, en constituant la réalité, les institutions produisent une violence symbolique tout à fait réelle et qui est très importante. Et que c'est donc le jeu en même temps des institutions et de la critique qui rend le monde habitable. Un monde dans lequel il n'y aurait que la réalité soutenue par des institutions serait très exactement la forme la plus, j'ose pas employer le mot totalitaire ici, mais je crois qu'on peut le faire, la plus totale, on va dire, comme institution totale de Goffman, la plus totale de mode de vie. Oui, je termine dans 15 minutes. Et donc la critique, et alors j'essaie de distinguer donc ce que disent les institutions, ça n'a aucun intérêt, mais c'est fait pour ça.
c'est toujours la langue de bois, c'est toujours ce qui est. C'est, ça déploie la réalité comme elle doit être. Et une bonne mise en scène de la réalité est ce qui, autant que faire se peut, exclut le monde, fait que le monde ne participe pas. J'ai beaucoup travaillé dans le livre la question des rituels. Et je donne une définition des rituels comme étant le fait de mettre en place un univers dans lequel la distinction entre réalité et monde n'existe plus. Et bien évidemment, comme chez Austin, l'incident qui détruit le rituel est un moment où tout d'un coup le monde réapparaît au sein de cette situation qui a été créée pour précisément permettre à l'être sans corps d'apparaître en suspendant la tension entre le monde et la réalité. J'avais lu chez une sociologue une très intéressante observation, une comparaison des pratiques pendant un culte protestant et dans un culte catholique. Et les incidents sont beaucoup plus mieux absorbés dans un culte catholique, comme par exemple si le prêtre se mouche ou il fait tomber son mouchoir. C'est beaucoup mieux absorbé parce que le rituel est plus est plus stable. Et donc ça ne perturbe pas, ça parvient à être absorbé par le rituel. Et donc, le problème de la critique, ben c'est celui que j'ai essayé de développer dans un texte qui s'appelle la dénonciation, qui porte sur des critiques jugées paranoïaques, pour dire vite, et que j'ai repris dans le thème dans l'énigme et complot. Le problème de la critique, c'est qu'elle ne sait pas où elle va, comment s'arrêter. Et je distingue dans le livre deux types de critiques. Un type de critique qui s'adresse à la réalité, aux épreuves de réalité, en reprenant les thèmes la justification, qui va dire, par exemple, une critique féministe classique à l'ancienne qui dirait travail égal, salaire égal, dans cette entreprise, les femmes sont payées un tiers moins que les hommes. Ça, c'est une critique que j'appellerais réformiste, qui se maintient dans le champ de la réalité, puisque le principe salaire égal, travail égal est dans le champ de la réalité. Par contre, je pense qu'une partie des critiques qui ont abouti à quelque chose comme le mariage pour tous, ou la famille gay, s'enracine largement dans des expériences ancrées dans le monde et qui ont mis des dizaines d'années, si ce n'est plus, à émerger et à prendre une forme politique. Alors, si vous voulez, j'ai toute une partie du livre aussi qui est plutôt, on va dire, phénoménologique sur le type de manière d'être qui se développe dans le monde de la critique ou dans le monde de la confirmation. Parce que la confirmation donne un plaisir, si vous voulez, énorme, qui est de regarder un monde qui se tient. Ça donne une émotion. Et si vous voyez, quand vous voyez une grande manifestation autrefois de la CGT, ou quand vous voyez le jour de la fête nationale, un vieux dirigeant avec des tas de fusées nucléaires qui passent en dessous, ça donne des sentiments extraordinaires de clôture et de perfection du monde. Sauf si le critique est là, qui ricane, il dit « Ah, ce ne sont pas des vrais fusées, c'est du carton. » Ou « Ah, le dirigeant, en fait... » Bon, alors je termine par la critique du... Oui,
Je termine sur les critiques que je fais au livre et qui m'empêchent d'avancer. Une première critique, c'est que il y a dans le livre, tel qu'il est écrit, au fond, un préjugé progressiste. C'est-à-dire, il y a l'idée que c'est par la critique que quelque chose, tel qu'elle est sortie du monde, que quelque chose se met en place, progresse. Et je pense que c'est léger, parce que la critique est universelle, et vous avez des tas de formes de critique qui sont, dont les résultats ont été catastrophiques. Si vous prenez le fascisme, il est entièrement, il comporte, en tout cas dans la tradition française, une très forte critique du capitalisme, mais dont les résultats ont été le nationalisme, l'antisémitisme, etc. Si vous prenez le nazisme, un des premiers livres sur le nazisme s'appelait « Moral Indignation », j'ai oublié le nom de l'auteur, et c'était sur l'indignation morale. Et un autre problème, est que c'est que le livre reste trop ancré dans la microsociologie, que la question des entités, mais ça viendrait sur ce qui m'intéresse actuellement, donc je vais peut-être le laisser pour la discussion. J'avais juste deux petits points, oui, un petit point que je voulais ajouter, qui est important dans le livre, sur la défense des institutions. C'est que y a une idée qui court dans le livre, qui est celle d'un changement permanent, que le monde, pas seulement social, c'est vrai, c'est un monde social, le monde est dans un état de changement permanent et que personne ne peut vivre dans un changement permanent. Et que le rôle des institutions est de ralentir le changement et de permettre de vivre. Et c'est pour ça que ça paraît toujours, au fond, réactionnaire par rapport à ce changement. Et que, du même coup, la critique est nécessaire pour faire des rattrapages. Mais, pour ne pas rendre Oleg fou furieux, je vais m'arrêter là. Maintenant, je pense que nous allons peut-être discuter un peu avec toi sur les questions de la critique. Et Artemy Magoun, le professeur de la théorie politique ou philosophie politique et sociale, il sera le premier. Et il m'a demandé 5 minutes. Après, c'est Victor Kaplun qui devra prendre 10 minutes. Et bien, on attend tes réponses et après, c'est moi. D'accord. Я простужен, и голос мой слаб. Сейчас ты дуринститисюн. Ба? Ты дуринститисюн, дефинир 5 минут Артема и 10 минут Амуа. Pas une minute de plus. Il t'a donné plus de temps que moi. Ça, c'est l'institution. Le collègue personnalise l'institution. Je pense que c'est... contre-institutionnel. Il confirme. je n'ai pas entendu. Bon, merci beaucoup, M. Brodansky, pour cette conférence, pour ce livre. Disons que moi, je ne suis pas sociologue, et je viens à ce livre, à cette lecture, un peu de l'extérieur. Si j'ai bien compris, dans le contexte du livre précédent, de la justification, il s'agit en fait pas seulement de la critique, mais d'un certain nouveau type de critique, ou des genres différents de critique. C'est-à-dire, il y a une critique interne, et ça,
j'ai vu se développer déjà de la justification, c'est-à-dire si tu as, donnons un exemple simple de la démocratie, donc il y aura les critères, la transparence d'élection, l'accès public au bureau, l'ouverture informationnelle, etc., etc. Ce sont les critères du monde, de la cité politique ou démocratique qui sont inscrits dans cette institution ou dans cette cité. Aucun problème, on peut critiquer cette cité de ce point de vue. Mais ici, il semble qu'il y a encore dans un esprit franco-tien, on peut dire, c'est déjà critique de la critique. C'est-à-dire, on peut critiquer démocratie du point de vue que j'ai évoqué, mais on peut aussi critiquer la démocratie en disant que c'est pas du tout la démocratie. Il n'y a pas de peuple, les gens qu'on voit, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, il semble que ce sont les représentants du peuple, mais en vérité, ils ne le sont pas. Et ce sera déjà une critique plus profonde, dont il s'agit ici, si j'ai bien compris. Et en fait, si on pense à la situation russe, si on joue un peu avec ces concepts-là, on peut ajouter qu'il y a encore critique de la critique de la critique qui dirait que ici, en Russie, il n'y a pas de la démocratie, d'accord. Mais, normalement, on dit que, c'est-à-dire que la démocratie juste, la vraie démocratie existe en France. Elle existe, bon, elle n'existe pas en France, mais elle a existé à Athènes. Et de ce point de vue, la démocratie en Russie n'est pas la vraie démocratie, elle est injuste. Mais un autre tour serait à dire qu'il n'y a pas de vraie démocratie. La démocratie est une blague dès le début. Si peut-être on ne veut pas réinventer la démocratie qui n'avait jamais existé, ce serait un autre tournant de la critique qui, dans la situation russe, je pense, serait beaucoup plus logique et raisonnable que les deux genre de critique précédent, parce que les protestations actuelles qui prennent lieu en Russie, par exemple, ce sont les critiques normalement du premier niveau, pas même du deuxième. Ah voilà, la démocratie, mais pourquoi vous ne comptez pas les voix dans les élections d'une manière propre? C'est un peu bizarre parce que le régime n'est pas démocratique dès le début, il fait seulement semblance de l'être. Et ici vient ma question, parce que j'ai promis une question. Cette question est la suite de la question que je vous ai posée après la conférence à Nouvelle-Hollande. Actuellement, les institutions, est-ce qu'elles fonctionnent vraiment de la manière classique, c'est-à-dire qu'elles nous donnent une réalité qu'on doit vraiment croire? Peut-être en France, mais je m'en doute. Mais en Russie, je suis sûr que les institutions ne fonctionnent pas de cette manière. Ce sont les institutions qui invitent de les critiquer. Presque tous les citoyens russes ne croient pas les légendes qu'on les raconte à la télé, ou ne les croient pas entièrement, un peu, en partie. Ils ne croient pas vraiment que le régime soit démocratique. Peut-être un peu, on peut jouer avec ça. Déjà dans le rite, dans le rituel primitif, vous connaissez les travaux de Dr Manoni sur je sais bien, mais quand même. Sur le rituel, qu'il y a toujours ce double think.
y inscrit, et c'est la même chose au moins en Russie quand on parle de des institutions. Ce sont des institutions cyniques qui déjà inscrivent une certaine critique, un certain rapport critique par rapport de la part d'un sujet, et ça ne les empêche du tout. Le cynicisme, un certain cynisme des sujets, est une condition du fonctionnement de ces institutions. Et avec la démocratie libérale, qui après tout est un ensemble des conventions, des jeux, des fictions, je pense partout. Il se trouve que il y a ce rapport ambigu. Donc, la question, c'est probablement où est la frontière, comment distinguer une critique, une pseudo-critique qui ne fait que soutenir l'institution en question de la vraie critique transformatrice. Tu veux répondre maintenant? Ou je peux répondre d'un mot très rapidement. Il faut bouger les micros. Je pense que ce que vous avez dit est tout à fait pertinent et que cela s'applique également pour la France, et ça fait partie, c'est la raison pour laquelle avec mon ami Arnaud nous avons entrepris un travail sur l'espace public et sur la relation à l'espace public. Il y a probablement qu'une des raisons, en tout cas ce qu'on dit généralement, c'est qu'une des raisons est liée à Internet et que la caractéristique d'Internet par rapport à la parole politique classique, par rapport à la parole des journaux, est l'absence de gatekeeper, l'absence de sélecteur. Et que du même coup, tout un ensemble de possibilités sont mises sur le même plan, ce qui donne un effet de joie, de plaisir de la vision de la virtualité. Et dans Énigme et complot, mon argument par rapport à ce type de problème était qu'il fallait abandonner la question de la croyance. Il est très rare que les questions des croyances, y compris en religion d'ailleurs, soient vraiment en jeu. Il fallait mettre ça sur le plan de la narrativité, du récit, et que le récit officiel n'est pas bon à raconter, parce que tout le monde le sait, c'est apodictique, qui peut être bon à célébrer si on est en foule. Si vous êtes dans une foule, je pense que la question de la foule est très intéressante. Si vous êtes dans une foule, le fait de dire la même chose que les autres qui sont là est un véritable remède contre l'inquiétude. Et si vous êtes seul, faire le lien avec d'autres va se faire en racontant quelque chose qui s'écarte de la parole officielle. Si vous dites la Terre est plate, la Terre est ronde, vous n'allez pas arriver à draguer une fille en lui disant la Terre est ronde. Mais si vous lui dites la Terre est plate et je vais te le montrer, je vais t'emmener Olga sur la Terre plate, là c'est un bon truc. Malgré tout, je pense qu'il faut atténuer ce vertige par rapport à cette possibilité, parce que dans tout ce qu'on vient de dire, on est resté dans les discours. Mais tout le monde s'attend à ce que le monde tienne, à ce que la réalité tienne. L'attachement à la réalité est bien plus forte et bien plus exigeante
que l'attachement au discours sur la réalité. Actuellement, il y a une grande grève à Paris des transports. Comme il y en avait beaucoup autrefois, mais les amis téléphonent, on ne sait plus où aller, on ne sait plus comment se déplacer. Moi, j'ai un très bon souvenir, une fois, d'un retour d'Italie avec une grève des transports. C'était un monde qui se défaisait. On nous avait trouvé un car, on était à la queue dans une station pour aller aux toilettes. C'était déjà... Et donc, si vous voulez, l'expérience de la fragilité de la réalité est beaucoup plus forte que les paroles qui vont mettre en cause la réalité officielle. Et bien évidemment, c'est la raison pour laquelle les acteurs politiques qui veulent mettre en cause la réalité, si vous me posiez la question de ce qui est, le fait vraiment ou non, et ils le font en déstabilisant vraiment la réalité. Merci. Maintenant, d'accord. Moi, j'ai plutôt une question à vous poser et qu'elle porte sur le concept même d'institution. Et je me demande si ce concept d'institution que vous utilisez, s'il peut être considéré vraiment comme sociologique. Et si il peut donner des instruments d'analyse sociologique au sens de la France. Et alors, à partir... Oui, ici, cette distinction que vous proposez entre la réalité et le monde, s'il peut être maintenu d'une façon tangible, oui, dans une perspective proprement sociologique. Et donc pour préciser ce que je veux dire, trois exemples, trois auteurs. D'abord, Marcel Mauss et la façon dont il développe le concept du fait social de Durkheim. En fait, c'est déjà Durkheim qui définit la sociologie comme une science des institutions. Mais lui, il propose de comprendre les institutions non comme des organismes compris d'une façon propre plutôt aux juristes ou politiciens, mais comme des manières de faire. Il appelle fait social une manière d'agir, de sentir, de penser. Seulement qu'il propose de considérer ces manières de faire ou ces modèles d'action comme étant extérieurs aux individus et comme ayant une force coercitive par rapport aux individus. Donc, qui force les individus de l'extérieur à suivre certains modèles d'action. Et Mauss, en développant Durkheim, en fait, corrige cette vision d'extériorité que Durkheim propose, et il propose le concept d'institution vivante, en précisant que une institution comprise comme une règle fixe, stable et coercitive, n'est une abstraction. Et que les institutions réelles vivent, c'est-à-dire changent constamment, et les règles de l'action ne peuvent pas, sont comprises et sont admises de façon différente à différents moments successifs. Même si les formules qu'ils expriment restent les mêmes. Alors,
les formules restent les mêmes, les règles changent. Les règles de l'action. Les règles de l'action, c'est les façons dont les agents comprennent ce qu'ils doivent faire et la façon dont ils agissent, qui se base sur des capacités des agents, sur leur savoir pratique. Alors déjà, ces mots, on trouve cet essai de surmonter l'opposition entre la structure et l'agent, entre donc, l'institution comprise comme quelque chose d'extérieur, et l'institution comprise comme un savoir-faire de l'agent qui lui permet d'agir correctement, de suivre la règle correctement. Et puis, donc le deuxième auteur, c'est Wittgenstein, le deuxième Wittgenstein plutôt, et là, on peut prendre son concept de suivre la règle. Il propose, et il y a plusieurs courants de la sociologie actuelle qui se basent sur ce développement de Wittgenstein, de considérer comme suivre la règle comme une institution. Donc c'est les compétences des agents qui leur permettent de suivre la règle d'une façon correcte. Donc la règle n'est enracinée, d'après Wittgenstein, que dans les compétences des agents. Les institutions ne sont pas enracinées que dans les compétences des agents. Ils ne sont pas quelque chose extérieur par rapport aux compétences des agents et par rapport à leur réflexivité. Et le troisième auteur, c'est Michel Foucault, qui se nommait parfois théoricien et historien des institutions. Lui aussi, on peut dire qu'il propose une vision des institutions assez proche de ce que je viens d'évoquer. Donc, pour le dire vite, de façon très brève, même bon, dans sa troisième période, quand il étudie l'histoire des sujets moraux, des pratiques de soi, il propose un déplacement conceptuel du concept d'individu au concept du sujet moral, en proposant de considérer un sujet, un être humain, comme quelque chose qui se constitue par des pratiques de soi. Et ces pratiques, il propose de les considérer comme des pratiques institutionnalisées. Dans chaque communauté, chaque culture, il y a des pratiques de soi qui sont proposées au sujet, qui sont qui précèdent le sujet, que les sujets peuvent pratiquer correctement ou incorrectement pour se constituer comme sujets moraux. Donc, à partir de ça, je me demande, est-ce que, si on s'appuie sur ces approches-là, est-ce que le concept d'incertitude et d'inquiétude qui est propre au monde, vous proposez de le définir, est-ce qu'il n'est pas problématique? Parce que les agents doivent être d'accord leur accord doit précéder la possibilité de leur désaccord. L'institution, comme une manière de faire, présuppose qu'on peut faire correctement ou incorrectement. Et ce savoir-faire doit être propre
à tous les membres de telle communauté, de telle culture. Un exemple, un petit exemple, juste pour finir, je peux finir, voilà l'institution, on est 24, 10 minutes, je vais dépasser 10 minutes. Là, vous avez donné un exemple d'une question de savoir si Saint-Esprit est dans le monde, et dans le peut être considéré comme étant dans le monde. Ouais. Dans le monde de... Dans le monde de... Dont parlait ce monsieur. Moi. Ouais. Et dans l'article de Marcel Mauss, les techniques du corps, il y a un exemple de ce qu'il appelle, d'une action qu'il appelle entrer en communication avec Dieu. Qui peut être considérée, cette action, comme institutionnalisée dans un certain sens. En fait, c'est une prière qui peut être pratiquée correctement ou incorrectement. Et pas forcément selon des indications formelles, extérieures, pratiques, etc. De pratiquer cette action correctement, comprend aussi de pouvoir entrer dans un état intérieur, dans un état d'âme particulier, de se retrouver proche de Dieu, de sentir Dieu à côté de soi. Et dit Marcel Mauss dit, ouais, en fait, c'est une technique qu'elle permet. C'est une technique, elle dit du corps, mais en fait, elle veut dire psychophysique. Il n'y a pas de distinction ici de l'âme et du corps. C'est une compétence, c'est un savoir-faire qui permet l'existence de cette pratique comme réelle et qui fait que Dieu ou Saint-Esprit fait réellement partie de ce monde des croyants. Pour donner un exemple plus simple, quand on se salue le matin, quand on se voit la première fois, si on se connaît, tout le monde est bien d'accord que c'est une salutation. Il peut y avoir des confondus, mais on peut le corriger. Normalement, il n'y a pas d'incertitude dans les cas comme ça. Il n'y a pas d'inquiétude. Quand on dit bonjour à quelqu'un, normalement, si ce quelqu'un fait partie de notre société, il comprend bien que c'est une salutation. Et comment il faut répondre ? Ce qui n'est pas problématique de parler quand même des sujets isolés comme ça, qui chaque fois, dans toutes les situations sociales, doivent trouver un accord à partir d'une incertitude radicale et de l'inquiétude radicale. Le concept d'institution élaboré par les auteurs que j'ai cités, il y en a d'autres, est-ce qu'il n'exclut pas telle approche? Oui, mais d'être long et peut-être pas très... Oui, merci beaucoup pour d'avoir si bien développé ce point de vue avec tellement de talent qui, je dirais, est le point de vue contre lequel je m'opposais. Mais je ne suis pas sûr d'avoir raison de m'opposer contre ce point de vue. Parce que dans De la critique, il y a tout un chapitre, et là aussi ça a été considéré comme une anthropologie pessimiste, un chapitre contre les théories du sens commun, qu'elles soient dérivées de Moore ou qu'elles soient dérivées de l'anthropologie, et au fond contre les théories contre le culturalisme, contre précisément l'idée d'une évidence culturelle qui serait là et qui vous prendrait dans son grand manteau sans qu'on ait besoin de réfléchir. Et donc je pense que largement, le problème de Durkheim, là, dans mon mot, c'est plus malin, mais
Le problème de Durkheim, c'est que il a énormément emprunté à Rousseau. Durkheim, toutes les grandes sociologies classiques sont des sociologies nationales, à mon avis. Weber fait une sociologie prussienne, il y a une sociologie libérale, James. Durkheim, il construit une sociologie pour l'État républicain, on ne va pas lui reprocher, mais largement en empruntant et en voulant remettre, un peu comme Marx quand il dit remettre sur ses pieds, il a voulu remettre Rousseau sur ses pieds. Donc il emprunte à Rousseau la distinction entre l'opinion de chacun et la volonté de tous et la volonté générale, hein, la volonté qui est centrale dans le contrat social, la volonté de tous et la volonté de tous les individus pris chacun séparément, comme dans le vote, et la volonté générale, c'est une espèce d'opération mystique, on ne sait pas trop comment ça se fait, qui se fait quand chacun voit le bien commun, se dirige vers le bien commun. Et ça, il appelle ça la conscience collective. Moi, j'ai jamais vu la conscience collective. Et surtout, je l'ai vu se défaire dans des moments de crise. Je m'intéresse beaucoup à la débâcle, à ce qui est arrivé en 40, quand les Allemands sont rentrés en France, qui est très intéressant, parce que c'est vraiment un cas où on voit une société tout entière, orgueilleuse, puissante, avec sa culture, qui se défait complètement. Il y a un très beau livre d'Aragon qui s'appelle Aurélien, où la fin se passe pendant la débâcle, qui se défait complètement. Et d'ailleurs, si ensuite l'occupation est possible, c'est parce que la société est détruite, est déjà détruite. Et donc, si vous voulez, toutes ces théories du sens commun vont de pair avec l'idée, j'ai eu souvent cette discussion avec Axel Honneth, avec l'idée que les humains seraient sociaux par nature, en quelque sorte. Donc si les humains sont sociaux par nature, il n'y a pas besoin de sociologie. Il y a juste à les regarder, faire des jolis groupes et des jolies communautés, et à être très heureux. Moi, ce n'est pas ce que je vois. Moi, je vois plutôt des gens qui se donnent un mal de chien pour faire tenir des universités comme vous ici, pour faire tenir des communes, pour faire tenir des pays, pour faire tenir en France de l'aide aux migrants. Et je vois surtout des disputes, mais c'est peut-être parce que j'ai l'esprit mal tourné. Et donc, si vous voulez, je pense, comment dire, je pense que vous avez raison. Mais étant parti de cette position, je pense que vous avez raison. Mais je pense qu'il est très important de prendre aussi l'autre position, qui est celle que j'ai adoptée dans de la critique et je continue à adopter, pour quand même sortir de l'évidence de robustesse de cette position où, quand on dit bonjour le matin, mais c'est pas du tout une opération simple, pourquoi tu me dis bonjour comme ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as dit bonjour. Mais non, je n'ai pas dit bonjour. J'ai dit bonjour. Et pourquoi tu ne me dis pas bonjour gentiment? Et puis pourquoi tu me dis bonjour, on ne se connaît pas? C'est une opération excessivement compliquée, comme toutes les opérations linguistiques, et qui peut finir par « Oh, bah, puisque c'est comme ça, écoute, moi, je ne prends pas le petit déjeuner. Hein. » Et donc, si vous voulez, je trouve qu'il y a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté dans la position qui commence avec Durkheim, avec sa conscience collective, que ben, personne n'a jamais vu le bout du nez, et qui continue avec Mauss, et par rapport à Foucault, je ne veux pas du tout critiquer Foucault, pour lequel j'ai l'admiration générale, mais j'ai lu récemment, j'ai oublié le nom de son nom, en vieillissant, j'oublie souvent les noms, un texte, un livre intéressant d'un politiste danois qui trouve que les utilisateurs de Foucault ont trop fortement oublié l'État. Et que le fait de n'être attentif qu'au micro-pouvoir, aux micro-relations, etc., empêche de voir tout ce qui est déposé à l'extérieur, toutes ces masses gigantesques
Alors, ce que j'appelle institution, ce n'est pas la police. Je fais une distinction entre institution, qui est un principe intellectuel, si je puis dire, qui est d'une façon incarnée dans les porte-paroles, par exemple, de la Cour constitutionnelle. Et puis, les organisations qui font des coordinations, et puis les administrations qui font la police. Mais si vous n'aviez pas la police, vous ne pourrez pas sortir de cette pièce. Et donc, et déjà, ou peut-être le contraire, Mais en tout cas, si vous voulez, de faire peser tout le poids d'un arrangement cohérent qui tourne bien et plutôt sympathique sur les compétences d'acteurs. C'est ce qu'on peut reprocher à Goffman. Chez Goffman, il n'y a que ça. Il n'y a que des acteurs compétents qui savent s'arranger, qui quand ils perdent la face, quelqu'un rattrape le coup. Et je pense que c'est une vision qui a énormément appris de choses sur la société, mais qui est trop optimiste et peut-être ne convient plus très bien à l'époque que nous vivons, où il y a de moins en moins de gens qui vivent dans des cultures séparées, qui vivent dans des groupes dans lesquels ils ont réussi à mettre au point des habitudes. Et je pense que ça serait une question intéressante à discuter avec les linguistes, parce que je pense que, autant que je m'avance là sur un terrain que je ne connais pas, mais que l'idée de culture est très largement dépendante de l'idée de langue, et que la linguistique contemporaine croit de moins en moins à l'idée de langue comme il croyait Jacobson, comme un ensemble fermé de phonèmes qui se constituent. Et si on retire l'État, et si on retire, tout à l'heure, Oleg me disait, en Ukraine, Kiev, il écrivait, il le prononçait comme ça, maintenant il l'écrive, il le prononce comme ça. Il y a des tas d'études sur la différenciation du Suédois et du Norvégien, par exemple. En ex-Yougoslavie, vous avez des kilos maintenant de différence entre deux parlers, qui étaient des variantes du même parler, qui étaient le croate et le serbe. Et il y a eu des études sur les parlers, par exemple, le long des Pyrénées. C'était constant, on se comprenait de kilomètre en kilomètre, mais vous ne compreniez pas le type qui était à 30 kilomètres. Mais lui comprenait, donc... Et donc, si vous voulez, je pense que ce n'est pas inutile, on va dire, employer un gros mot, dans une époque de globalisation, n'est-ce pas, c'est pas inutile de réfléchir aux conditions de l'accord en quittant le domaine du partage des mêmes croyances, des mêmes habitudes. Voilà, c'était pour défendre ma position, mais je n'étais pas du tout une critique de ce que vous avez dit. Merci. Ah, Victor, vas-y bien. D'accord. Écoute, j'ai deux types de remarques ou peut-être deux questions que je voudrais poser. Bien, la première concerne ton distinction entre, bien sûr, le monde et la réalité qui est centrale dans ton travail. Et je pense que tu as dit que tu as réussi à résoudre quelques problèmes de la théorie de la construction de la vie sociale, de la réalité sociale, quand tu introduis cette distinction entre le monde et la réalité. Et je pense que c'est vraiment vrai, parce que dans les formulations classiques de Luckmann et Berger, et après dans les ethnomédologues comme Garfinkel, tout le monde fait les typisations, les routinisations en qualifiant les situations de la vie quotidienne. Et c'est pourquoi, de temps en temps, on peut imaginer que
personne peut sortir de son lit le matin. Parce que si tu vas mettre en question les typisations de la vie quotidienne, on ne peut pas agir parce que vraiment il n'y a pas de fondation pour l'action de la vie quotidienne quand tu problématises tout. Si on donne, comme tu as fait dans ton livre de la critique, le pouvoir des typisations et des routinisations seulement aux institutions, on peut résoudre ce type de problème, on peut éliminer ce type de problème dans la théorie de la construction de la réalité sociale. Mais quand on fait ça, c'est-à-dire que maintenant on a volé le droit de faire les typisations qui n'appartient plus aux hommes simples, aux personnes simples dans la vie quotidienne. Ce n'est que les institutions qui font les réalités, ce n'est pas les gens dans la vie quotidienne. Et je suis sûr que tu es un grand démocrate. Il y avait une étudiante qui t'a posé la question « Pourquoi tu critiques le capitalisme tout le temps ?» Tu as dit que tu étais de gauche tout le temps, bien sûr, mais démocratie, tu l'aimes. Mais pourquoi tu as élitisé, c'est-à-dire élitisé la conception de la construction de la réalité sociale en donnant le droit d'interpréter, d'étypiser, de routiniser seulement aux institutions, pas aux gens dans la vie quotidienne. C'est la première question. Oui. Alors, est-ce que je peux poser le deuxième ou... Oui, oui, bien sûr. Je n'avais pas compris. Je voulais que tu t'arrêtais. D'accord. Le deuxième, c'est si on n'a pas eu de temps pour aller et aborder les questions d'émancipation, qui je trouve vraiment principale dans ce livre, parce que je pense que c'est vraiment, c'était une sorte d'éclaircissement pour moi, de trouver vraiment la définition, qu'est-ce que c'est l'émancipation maintenant, selon le professeur Boltanski. C'est-à-dire que les gens sont dominants, quand il peut juger les autres selon l'esprit de loi, pas selon l'être de loi. Donc, c'est-à-dire qu'il peut, choisir entre les deux, oui. Et les dominés, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de droit de demander d'être jugé, par exemple, dans les procès judiciaires, selon de l'esprit de loi. C'est-à-dire, il peut demander, mais la classe dominante va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Dans cette concession, dans cette théorie, c'est-à-dire, émancipation, c'est l'opportunité, oui, d'être jugé selon le principe de l'esprit de loi, de l'esprit de la règle. Oui, c'est ça. Si je viens raconter ce type de slide, qui est en anglais. Mais bien sûr, l'Université européenne à Saint-Pétersbourg a bien compris cette distinction, c'est pourquoi je l'aime beaucoup. Parce que nous avons perdu presque 22 procès judiciaires contre les pouvoirs. Parce qu'ils ont appliqué le principe de la lettre de loi. Quand nous avons demandé d'être jugés selon l'esprit de loi, et nous n'avons jamais été donné cette possibilité, cette opportunité. C'est pourquoi je supporte, j'adore ton redéfinition de la conception de l'émancipation. Mais si je
fait un autre type de vérification, de falsification de ta théorie. Je pense qu'il y a un exercice de réflexivité qu'on peut appliquer à chaque théorie sociologique pour établir si c'est vrai ou il y a quelque sorte de problème avec ce type de théorie. C'est-à-dire que si un sociologue qui a produit une théorie doit être interprété lui-même selon cette théorie et doit être interprété dans les manières adéquates, c'est bien, oui, sa théorie tient. Et ce que je voudrais proposer, pourquoi c'est un exercice de ce type. On peut dire que tu, dans ta carrière, tu as introduit de nouvelles façons de faire sociologie dans l'école bourdieuvienne-bourdieusienne. C'est-à-dire qu'il y avait des règles de la méthode sociologique qui étaient articulées pas par Durkheim, pas par Saint-Pierre. C'est-à-dire par Bourdieu. C'est-à-dire par Bourdieu. Non, parce que, bien sûr, que Luc a travaillé avec Bourdieu. Et Luc, il a commencé de faire une sociologie différemment, en disant qu'il faut interpréter les règles de la méthode sociologique bourdieuvienne selon l'esprit de ces règles, pas selon des lettres. Et tous les bourdieuviens, les bourdieusiens, ils ont jeté le pauvre Luc. Après ça, en disant « Non, non !» D'accord. tu les as abandonnés. En disant que « Oh, il faut faire la... » Non, il faut appliquer, bien sûr, la règle de la méthode sociologique bourdieuvienne selon... la lettre, selon le principe de la lettre, pas comme si c'était il y a quelque esprit. Et je voudrais proposer ici une question, si tu trouves cette interprétation intéressante ou non, c'est-à-dire est-ce que vraiment c'était une situation d'émancipation, parce que tu as demandé et tu as pris, selon toi-même, pas selon Bourdieu, des pouvoirs, des droits d'interpréter son méthode selon l'esprit et pas selon les lettres. C'est la deuxième question. Bon, merci beaucoup, Oleg, pour toutes ces questions qui, je dirais, d'une certaine façon, n'en font qu'une. Si tu veux, effectivement, je prendrai d'abord ta première question et puis j'éclairerai. Enfin, à mon avis, elles sont très proches toutes les trois. C'est qu'effectivement, un des objets du livre et de la séparation des institutions par rapport aux individus, c'est de rendre leur liberté aux individus. Parce que s'ils ont simplement des règles ou des normes intériorisées qui suivent comme des idiots, comme des zombies, comme des robots, ils n'ont plus de liberté. Or, ce qu'on a essayé de faire quand même, c'est de prendre... d'avoir conscience fortement de la tension dans les situations quotidiennes entre les moments de conformité où les gens ont l'air de suivre les règles et puis cinq minutes après, que je les vois dans une autre situation, ils ne mentaient pas, ils n'étaient pas trompeurs quand on avait l'impression qu'ils étaient bien dans les règles, mais simplement dans une autre situation, tu les mets juste à côté, ils changent complètement. Je vais donner un exemple du monde académique. Dans mon institution, comme dans toutes les institutions,
il y a des réunions très importantes qui sont des élections pour les nouveaux membres. Chacun fait un discours. C'est très impressionnant. Tout le monde a peur. Moi, le premier, les rares fois où j'ai dû intervenir, j'étais terrifié. Si on va au café juste après, les gens disent, les mêmes qui étaient complètement pris dans la situation, disent, quelle mascarade. Quelle mascarade, tout était décidé d'avance, et puis t'as vu un tel, comment il a parlé, oh, il a vraiment beaucoup vieilli, etc. Donc si tu veux, cette capacité de... qui est quand même très ignorée par le culturalisme, cette capacité de ne pas être à sa place, et y compris très ignorée par la sociologie des classes sociales de bon Dieu. Cette capacité d'avoir des règles, mais dont on ne sait pas ce qu'elles veulent, ces règles. C'est pour ça que moi, j'interpréterais Wittgenstein différemment, c'est que personne ne peut suivre une règle. Et que les seuls qui suivent une règle, c'est les militaires quand ils défilent. Mais c'est quand même pour montrer qu'ils sont inhumains. La technologie de fabrication des militaires, comme ils doivent mourir, est une technologie qui vise à fabriquer des inhumains. Parce que personne ne se tient comme ça. Les gens se tiennent comme ça, ils se tapent le dos, etc. Et donc, effectivement... il y a une intention cachée que tu as bien vue dans mon travail, qui est un peu critique à la Scott, on va dire, qui est de cesser de croire qu'il est possible de bien se tenir. Parce que, et si on reprend la justification, ce thème est très présent, puisque dans la justification, c'est ceux qui le connaissent, il y a les grands. Il y a les grands qui incarnent la cité. Mais s'ils sont trop grands, s'ils incarnent trop la cité tout le temps, ben ils deviennent inhumains, ils deviennent ridicules. Ils sont considérés comme n'étant plus... Donc il y a tout un art d'être grand, si je puis dire, qui est très difficile, qui est l'art des dominants. C'est d'incarner... On peut dire les institutions ou l'univers sur lequel ils ont du pouvoir, qu'ils dirigent, tout en montrant qu'ils ont la capacité de se distinguer de ce rôle de dirigeant. Ce qui nous amène à ta seconde remarque sur la question de l'émancipation. Et de rapport à la règle. J'étais souvent très frappé en interviewant des gens qui avaient eu des rôles importants dans l'économie ou en politique, ou en lisant des mémoires en fin de vie, dans lesquels ils expliquaient comme de quelque chose de bien dont ils pouvaient être fiers, comment ils avaient transgressé la règle pour faire ce qu'ils avaient fait. Comment, s'ils avaient suivi les règles, jamais ils n'auraient mis en place telle ou telle institution. Jamais ils n'auraient sauvé telle ou telle personne en danger dans un pays étranger, etc. Et donc, et bien sûr, l'argument derrière était qu'il restait dans l'esprit de la règle, mais que c'était les petits fonctionnaires qui voulaient suivre la règle absolument et qu'eux savaient s'en libérer pour le bien commun et pour le bien de tous. Et donc, c'est quand même une liberté extraordinaire. Et je ne leur donne pas tort. Bien sûr qu'ils ont raison, bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que si j'avais suivi la règle, ils n'auraient pas construit l'université européenne de Saint-Pétersbourg. Elle n'aurait simplement pas vu le jour. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui est dirigé, qui est subalterne, qui est subordonné, s'il ne suit pas la règle, il est aussitôt mis à la porte? Et donc, la proposition tout à fait utopique, mais même les livres sérieux peuvent terminer sur des propositions un peu utopiques, c'est, si vous voulez plus de démocratie, cessez simplement
d'avoir du ressentiment à l'égard des grands parce qu'ils n'ont pas suivi la règle. Parce que c'est une des choses dont j'ai le plus peur, personnellement, c'est du ressentiment et c'est l'indignation morale. Au fond, c'est ça, bien que les sociologues ne sont pas censés avoir des personnalités, malgré tout, dans un livre, on ne peut pas empêcher ses propres goûts de transparaître. Je déteste l'indignation morale. Je pense que c'est un des poisons de la vie sociale. Et, du même coup, qu'est-ce qu'on dit d'habitude pour moraliser une société ? Il faut empêcher les grands de tricher, de mentir, de ne pas suivre la règle. J'ai essayé d'inverser la proposition en disant non, il faut que tout le monde puisse le faire. Et ce qui nous renvoie au thème principal du livre, qui est l'opposition entre sémantique et pragmatique, il faut donner à tous la liberté pragmatique d'agir, c'est-à-dire de savoir qu'il y a plutôt des règles, c'est les institutions qui les donnent, mais qu'on est là pour jouer avec les règles. Et je dirais que par rapport à ce problème d'obligation morale, cela a joué un très grand rôle dans le fascisme italien, cela a joué un très grand rôle dans le nazisme, cela a joué un très grand rôle dans le stalinisme, si on prend la grande campagne de dénonciation de 37, elle était vraiment organisée autour de l'indignation morale, et cela joue de nouveau un rôle. Si je suis allé au Brésil récemment pour visiter des collègues brésiliens, et l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, qui est une chose tragique quand même, est le résultat de l'indignation morale. Et donc, voilà Alors, pour la dernière partie de ce qu'a dit Oleg, ça m'obligerait à livrer des choses de ma vie professionnelle, mais tout ce que je peux lui dire, c'est que c'est vrai. C'était émancipation et libération. Mais il y a une autre question, parce que comme le président de la session, de la première session, de la deuxième session, je n'ai pas eu la possibilité de poser des questions sur énigmes et complots. Oui, et je vais maintenant monopoliser ou utiliser mon monopole de pouvoir aujourd'hui pour les dernières 10 minutes. Artemi, ça sera très intéressant pour toi aussi. Mais je reviens. Non, d'accord, je vais t'orienter, qu'est-ce que Luc va répondre. Parce que nous avons commencé à traduire énigmes et complots, bien sûr, l'attaque contre l'université n'a pas commencé. Mais quand c'était fini, ou quand il était en train d'être traduit, ton texte, j'ai compris qu'une partie de ce texte qui faisait la comparaison entre l'enquête de sociologues, les enquêtes des journalistes, les enquêtes des polices et les enquêtes des renseignements généraux, c'était un peu troublant. Parce que pendant la crise de l'université, nous avons trouvé vraiment que nous étions dans le même business. Et c'était un peu troublant parce que c'était trop dangereux d'être. Mais tu as écrit cette ligne, il y a quoi ? Tu as écrit ce texte il y a 10 ans, oui, parce que... Un peu moins, il est paru en 2012. Donc je l'ai écrit en 2000, juste après de la critique. Est-ce que tu as changé ta position que le travail des sociologues est proche du travail de renseignement généraux et proche du travail de la police ? Non. Et après aussi, après que Coupa est devenu très, très populaire maintenant ? Oui, maintenant c'est un homme politique important, je pense. D'accord, mais dis-moi, la théorie tient jusqu'à maintenant ? La théorie de la sociologie ? Sur l'enquête, oui. Ben, si tu veux... Non, je pense notamment, c'est presque invisible, mais si tu veux, les anthropologues ou les sociologues qui travaillent dans des univers étrangers et dangereux, qui sont régulièrement accusés d'être des espions, c'est évidemment malveillant et absurde, et je suis prêt à faire tout ce qui est possible pour les défendre.
mais qu'il y ait une proximité entre les centres de recherche et les services diplomatiques, ça, je pense que c'est difficile de le nier. Et c'est beaucoup plus vrai en Angleterre. À mon avis, j'ai fait quelques jours à Oxford, il y a 2 ans, j'étais frappé par le... quasiment le technologue, pour voir les choses à Oxford. C'était d'une étrangeté extraordinaire, avec des grands dîners où tu as en même temps des ambassadeurs, des hauts fonctionnaires, des chercheurs. Oui, je pense qu'il y a des vraies proximités, mais je pense que ce que j'essayais de montrer dans Énigme et Complot, c'était plutôt que les problèmes étaient identiques, et notamment, une chose qui m'avait beaucoup intéressé, c'était la notion même de groupe, qui est centrale en sociologie, et si tu veux, je crois qu'on est dans une période aujourd'hui où la sociologie a hérité d'un savoir qui s'est mis en place à la fin du 19e en rapport avec les États, et qu'un très grand nombre de nos données de base comme institution précisément, ou comme groupe, ou comme État, doivent être vraiment remis au travail, et que on voit très bien ce que c'est qu'un groupe. Quand on a un groupe qui est en partie juridiquement formé, et si tu es professeur à l'école des hautes études, hein, tu as un groupe qui a une définition juridique, tout le monde n'est pas professeur, et je pense que c'est beaucoup des problèmes de garantie, comme dans Credential Society, c'est que tu as une garantie par ton appartenance à cette institution. En même temps, si tu te conduis mal, tu es rejeté parce que, à l'extérieur, parce que tu diminues la garantie de l'institution, ok. Mais quand tu as des groupes, ça revient à ton problème de l'amitié. Quand tu as des groupes d'amis, comment tu fais la différence entre un groupe d'amis, même pour le bien, ou pour le bien commun, et l'accusation de complot ou de mouvance, parce que la police française, qui est faite par des gens très compétents et intelligents, ont développé une nouvelle catégorie pour désigner tous ces mouvements politiques qui sont les très importants maintenant en France, et qui ne sont pas constitués juridiquement sous la forme de partis, mais qui ont des actions qui peuvent être très dangereuses, comme ce qu'ils appellent la mouvance islamique ou la mouvance anarchiste. C'est effectivement typiquement un problème de sociologie. Est-ce qu'un ensemble... Mais dans le cas de la police, évidemment, la question sociologique n'est malheureusement pas seulement intellectuelle, mais elle va avoir des effets comme de mettre quelqu'un sous les verrous parce qu'il fréquente assidûment un lieu où sont aussi des gens qui ont eu des actions extrêmement dangereuses et néfastes. J'avais trouvé à Colombia, quand j'écrivais ce livre, j'avais passé un mois à Colombia, j'avais trouvé un livre très intéressant écrit par un espion retraité sur la relation entre espionnage et sciences sociales. Et il disait... Est-ce que c'était traduit en français ? Non, c'est pas traduit. Et il disait, je cite de mémoire, au fond, les problèmes sont à peu près les mêmes, les techniques sont très proches, mais nous avons malgré tout des moyens beaucoup plus importants, et le droit nous donne des possibilités beaucoup plus importantes que n'ont pas les sociologues. Autrement dit, on peut pas se balader avec un flingue pour faire parler. Donc si tu veux, je trouve que c'est important que les sociologues aient conscience de ces proximités. J'ai rien contre le fait que des sociologues puissent être proches de la police dans certains cas. La police peut effectivement être nécessaire dans certaines occasions, mais disons
je pense qu'il est vraiment important de regarder l'histoire conjointe de ces différents types d'institutions, d'où la proximité, d'où le fait d'entrer dans des problèmes sociologiques par le roman d'espionnage, par l'histoire du roman d'espionnage et du roman policier, me semblait plutôt une bonne idée. Le problème, c'est que le Énigme et complot, qui est un gros livre, a été surtout lu, ce que je comprends bien, j'aurais fait pareil, pour la première partie qui parle de romans et policiers et d'espionnage, qui est plus amusante à lire, que pour la dernière, qui parle de la paranoïa, de la police et de la responsabilité morale de la sociologie. D'accord. Merci, Luc. Oui, je pense qu'il faut que nous... Il faut finir. Que nous finissions. Alors, il y a... Peut-être qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a une question? Mais c'est déjà 8 heures. Ah, d'accord. Deux questions. D'accord, on va prendre deux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette lection et cette discussion. J'ai une petite question précisante. Peut-être que c'est une question bête, mais c'est une question sur la distinction de... entre l'esprit et la lettre, parce que je crois que la pensée de suivre l'esprit. Est-ce que le microphone est période? D'accord. C'est une question sur la distinction entre l'esprit et la lettre, du moins, parce que je crois que le principe de suivre l'esprit de loi et pas la lettre, peut sembler un peu romantique et vague, parce que les gens, on peut faire n'importe quoi et dire qu'on suit l'esprit, tu vois. Est-ce qu'on a un mécanisme, est-ce qu'on peut définir l'esprit de loi si on ne peut le suivre pas la lettre? L'esprit des lois. Comment on définit l'esprit des lois? C'est un peu romantique, je l'ai dit, que tu as proposé, parce que... Oui, non, je comprends. Je pense que c'est vraiment des choses qu'il faudrait discuter avec un certain nombre de juristes aujourd'hui. Moi, je pense par exemple, parce que je le connais, j'en connais pas beaucoup, à Olivier Kella, qui travaille sur la sémantique et la pragmatique de la loi. Parce que, si vous voulez, dès qu'on va vers des problèmes un peu complexes, il est très difficile de définir la loi. Il est très difficile, et évidemment, c'est tout le problème central du droit et de la jurisprudence et de l'interprétation. Vous n'avez jamais de loi qui s'applique facilement à tous les cas. Même de voler une pomme à la vitrine d'un magasin, ça va être jugé très différemment si c'est un enfant, un adulte. Est-ce que le il y a une juriste qui est à Paris qui s'appelle Marcela Yacoub et qui a beaucoup travaillé sur ce thème, qui est une bonne juriste. Elle a fait un livre très intéressant qui s'appelle Par le trou de la serrure, et qui est un livre sur la frontière du public et du privé, avec l'argument, c'est dans l'Ancien Régime, les autorités ont droit de regard sur tout, et au fond, l'écart central dans le libéralisme entre public et privé ne joue pas. Quand Napoléon met en place le code pénal, il fait une séparation très nette entre public et privé, notamment, elle s'intéresse beaucoup, Marcela Yacoub, au problème de mœurs, notamment en matière de mœurs, en public rien du tout, et en privé tout ce qu'on veut. Mais elle a étudié des procès du 19e dans lesquels personne ne sait si c'est public ou privé. Par exemple, quand on a mis les métros
qui passe au niveau du premier étage. Ce que les gens voient des fenêtres, est-ce que les gens sont obligés de mettre des rideaux ou est-ce qu'ils sont chez eux et qu'ils sont dans le privé? Donc des kilos de discussions entre juges là-dessus. Le trou de la serrure, c'est des gens qui étaient au rez-de-chaussée, qui faisaient des choses pas bien du tout, que je ne vais pas détailler, et ils avaient mis de la mie de pain dans le trou de la serrure. Mais la mie de pain est tombée et des gens ont regardé dans le trou de la serrure. Est-ce que c'était encore privé ce qu'ils faisaient ou est-ce que c'était devenu public? Donc c'est pour donner un exemple un peu amusant après cette séance un peu sérieuse. Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Et donc, c'est à chacun de défendre ce qu'il considère comme étant l'esprit de la loi. Et Oleg est une bonne incarnation de l'esprit des libertés universitaires. L'esprit incarné. Hein. L'esprit incarné. Sur un cheval. Merci. Ah. Ну что, Лена или Андрей? Андрей, оказывается, значит, Лена. Да. Нет, Лена, давайте тогда посмотрим. Девушка. Только микрофон. Да, подойдите сюда, может, здесь задать вопрос. Пожалуйста. Давай. Мерси. Да. Большое спасибо за презентацию, за книгу. Мой вопрос о связи семантики и институтов. Скажите, пожалуйста, о чем говорит ситуация, когда семантика, очевидно, не совпадает миссии института. Например, когда обращение к президенту основано на религиозных оправданиях, или обращение к патриарху основано на правовых оправданиях. А quand c'est une seconde à côté, объясните. Сейчас Артём приведёт. Oui, c'est plutôt là, si j'ai bien compris, c'est la question sur la base de la justification, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si par exemple le patriarche de l'Église orthodoxe et quelqu'un lui pose une question qui utilise les arguments de droit. Oui. Et le contraire, si le président, en tout cas, adresse à lui une question religieuse. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces questions de comment, désaccord, des arguments et de la position du fonctionnaire? Il y a aussi une question sur la sémantique. Ah oui, pourquoi c'est la sémantique? Ça a commencé par la la question de la sémantique. Si la sémantique est religieuse, comment les institutions peuvent fonctionner? Мне кажется, Лена должна уточнить. А что там с семантикой было сначала? Вот это мы не поняли. Почему семантика? Да? В чем смысл термина семантика? Это было на слайде просто. Я считаю, что функция института семантическая, на самом деле. Это мы понимаем. Да, я попробую объяснить. Насколько я поняла из вашей книги и из вашего выступления, обращение к институту определенному должно следовать определенным правилам, определенному языку. То есть, если мы обращаемся в правовой институт, мы должны, ну, в идеальном случае, использовать правовую семантику. Что происходит, когда вот эта преемственность нарушается? О чем говорит такая ситуация? C'est des problèmes tout à fait, il me semble tout à fait classiques à poser à des juristes et sur ce qui se passe dans les cours, c'est-à-dire que c'est comme des problèmes d'arbitre de football, c'est qu'il y a un certain nombre de langages qui vont être recevables ou d'arguments qui vont être recevables et d'autres qui ne vont pas l'être. J'ai en tête une histoire qui m'a été... non, je vais laisser de côté. Évidemment,
c'est très important pour les histoires de, par exemple, de blasphème. En France, depuis la Révolution française, on ne peut plus condamner quelqu'un pour blasphème. Autrement dit, Dieu ne peut plus être une victime au nom de laquelle on va déposer plainte devant un tribunal. Ce qui était le cas dans l'Ancien Régime. Et donc, la sémantique judiciaire empêche complètement de poser ce problème. Mais il y a eu, depuis maintenant une vingtaine d'années, 20-30 ans, un développement important d'associations catholiques qu'on appelle chez nous intégristes, c'est-à-dire antilibérales, et qui ont déposé des plaintes par rapport à des films jugés blasphématoires. Jeanne Favre-Saada, qui est une importante anthropologue française, a écrit un livre récemment sur ce thème. Et comme il ne pouvait pas dénoncer ses œuvres comme étant blasphématoires, ils ont pris comme principe de langage que cela blessait les sentiments de la communauté des catholiques. Avec des témoignages. C'est pareil en Russie, oui. La même loi. C'est la même loi. Et qui est une invention complète, juridique. Jusque-là, on ne pouvait pas, jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, il n'arrivait jamais qu'en droit, on puisse attaquer au nom des sentiments blessés d'une communauté. Et ça a été repris ensuite par les musulmans. Et ça a énormément eu d'un poids extrêmement fort au moment des fameuses caricatures de Mahomet, et ça s'est terminé finalement non pas dans une cour de justice, mais par l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo. Mmh. C'était plutôt la question, pas sur la sémantique, mais sur ce que vous appelez grammaire, non ? Grammaire. Alors, ce que j'appelle grammaire. Alors, justement, sur grammaire, j'ai eu des tensions avec des collègues très proches, parce que je trouvais qu'ils utilisaient. C'est une réponse pour vous. D'accord. Je trouvais que c'était le même problème. Je trouvais qu'ils utilisaient grammaire de façon trop culturaliste, au sens justement de règles culturelles que l'on peut appliquer bien ou mal, comme de dire bonjour le matin ou non. Il me semblait que si c'était pour revenir sur ces chaînes culturalistes, ça n'était pas la peine de développer grammaire. Et j'ai donné un autre sens dans mon travail, notamment dans un livre qui s'appelle « La condition fœtale » et qui porte sur l'engendrement des humains. Comment les humains, c'est un livre qui prend appui sur beaucoup d'empirique, d'entretien et d'observation dans notre société, mais aussi sur beaucoup de travaux ethnologiques, avec une visée plus large, qui est l'idée que pour des humains, c'est une très grande difficulté de faire d'autres humains. Et donc ça étudie ce problème, avec beaucoup à propos de la question de l'avortement. Et donc l'idée que j'ai de grammaire, c'est que ce à quoi les humains ont affaire est un cosmos profondément contradictoire. Je crois beaucoup à l'importance de la prise en compte des contradictions. Pour prendre un exemple tout simple, moi j'ai vu ça, et vous avez peut-être vu ça aussi, des gens qui le matin voient des agneaux dans un pré et disent « Oh, comme il est mignon ce petit agneau », et puis qui le soir, pendant un restaurant, mangent un gigot d'agneau et disent qu'il est bon ce gigot d'agneau.
ça n'est pas une contradiction, mais disons c'est une tension entre deux façons d'envisager les choses. La justification, c'est un livre qui porte précisément, sur, largement, sur ce type de tension. Et donc je pense qu'il est, dans le cadre de la sociologie que nous appelons la sociologie pragmatique de la critique, il est intéressant de conserver grammaire quand ces grammaires ont pour rôle, non pas du tout de résoudre, parce que ce n'est pas des contradictions qu'on peut résoudre, et ce n'est pas du tout hégélien, ce n'est pas thèse, antithèse, synthèse, mais c'est de tenir à distance, de faire qu'on puisse vivre avec ces tensions, avec ces contradictions. Et je me suis beaucoup inspiré pour ça de la définition qu'à la fin de l'homme nu, Lévi-Strauss donne du rôle des mythologies, dont il dit très simplement, ce sont des machines à présenter les contradictions et à faire que les gens puissent jouer avec et s'habituer avec, à vivre avec. Il dit ça. Et donc, ça me semble ça, les grammaires, on a compris, au fond, un univers. Si vous voulez, dans l'exposé que j'ai fait il y a quelques jours sur l'enrichissement, il y avait bien une grammaire de l'échange, mais elle partait de la tension entre le prix et la valeur, comme deux façons d'aller à la réalité qui ne sont pas compatibles. Eh bien, je pense que c'est cela, le sens que moi, j'essaie de donner à cette notion de grammaire. Alors, je crois qu'en linguistique, mais mon frère est linguiste, il m'avait parlé de ça, il y a maintenant des théories de la grammaire, dans les théories de l'optimalité, malheureusement c'est trop compliqué pour moi, qui travaillent là-dessus, sur le fait que les grammaires sélectionnent de façon à limiter les contradictions. Мы не много говорить, но живой роман это семенье, le seul fait que comme j'ai commencé en disant que Luc est un vrai symbole de la sociologie française, je voudrais esprit incarné. Esprit incarné. Et je voudrais vraiment dire merci à la sociologie française pour l'opportunité d'accueillir Luc Chenot et bien, non, c'est pas trop. Hein. Moi, je te remercie encore, et l'université, parce que pour moi, ce voyage, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est très important et ça me fait comprendre tout un ensemble de choses pour les problèmes sociologiques qui me travaillent actuellement, dont j'ai parlé avec Oleg. Mais dont je ne vous parlerai pas, n'ayez pas peur. Et voilà, et une chose.